Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Aurora C-Sharp avec le Royaume Stellaire de Manticore. Alors dernier épisode, je vous avais laissé. La première drop fleet venait juste de charger du coup la flotte de transport, enfin toute la première division d'infanterie. Donc il est temps de l'envoyer à Grandelsbane, jusqu'à Grandelsbane à 2. Bien ça. Grandelsbane à 2. Et move to location. Déjà. Parce que là j'ai pas l'ordre de faire un drop par contre. D'accord. Si on regarde notre première strike force, qui a que deux escadrons sur place. Le second escadron et le reste ils sont bons normalement, donc on peut les renvoyer à la strike force si nécessaire. D'ailleurs ouais, ils ont pas beaucoup de MSP là. Il y a dû en produire un peu ici. Resupply, reload. Et ensuite, rejoindre en tant que sous-flotte ici. Et le deuxième escadron, la même chose. Voilà. Donc la première strike force, si on lui prend Grandelsbane à 2. J'ai pas le truc de soutien. D'accord. Donc du coup, si on rouvre ça, à Grandelsbane à 2. Create colony. Donc on a une colonie à nous. Entre guillemets, mais il n'y a personne. Hein. Donc la première strike force, provide orbital bombardement de support. Ok, et si on reprend notre first drop speed, on fait orbital drop all ground units. Et c'est parti. Alors, il va falloir que tout le monde se déplace. Attends, j'ai un problème d'officier senior pour RMN logistique commande, c'est normal. J'ai rajouté un niveau en dessous, donc on va voir. Donc il me faut un RADM, Rearmament of the Green, c'est ça, et Logistics. Voilà. Troop Transport Command, c'est un RADL, donc of the Red. Et le Drop Command, ça va être la même chose. Est-ce que j'ai des trucs en Troop Pod ou Drop Pod ou des trucs comme ça? Non, je pense pas. Si, Grand Support au pire. On va mettre un mec qui est bon en Grand Support, tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qui s'est passé au moment d'avant là? Ok, la formation de bataillon de garnison a été terminée. Temps de déploiement excédé pour le Wayfarer, pas de soucis. Et on a un labo inactif et une recherche terminée en Ground Formation Construction Array 625. Ok. C'est où tout ça sur Manticore? Non, on a un truc sur Sphinx. Sur Sphinx. Assignment. Non, c'est... j'ai 33 labos de recherche. Ok, mais ça c'était le Grand Formation Construction Rights. Bon alors, qu'est-ce qu'on voudrait rechercher d'important maintenant? On pourrait rebalancer un peu de la recherche sur les lasers. Ok. Sur les senseurs d'ailleurs, j'aimerais bien continuer un peu le truc, donc on va mettre 20 labos là-dessus. Yes. Let's go. Il va falloir qu'on fasse après la sensibilité des senseurs de niveau encore supérieur. Ok, donc tout le monde a rejoint la strike force, c'est parfait. Si on regarde un peu ici, bon les MSP ça devrait revenir, il y en a encore pas mal à bord des madrigales, il n'y a pas de soucis. Et faudra que je récupère du fuel sur les Bélérophons, mais j'ai pas assez de fuel nulle part pour les remplir. On a 12 millions ici, on a 40 millions sur Manticore, c'est pas trop mal. Ouais, du coup sur Damoclès, vu qu'il va y avoir beaucoup de sorium ici aussi, on va pouvoir lui proposer faire des raffineries de fuel. Ou alors on transfère, non on va plutôt transférer sur Manticore j'avais dit. On va pas produire directement ici. On a, ouais, ça y est, on a des financial workers, ils ont déjà commencé à nous transférer des centres financiers, parfait. Donc, bah, continuez votre travail. Ok, on a un laboratoire inactif sur Manticore, donc du coup, ça c'est au max, ça c'est pas au max. Ok, donc on a atteint le Frigusium sur Quentin. Donc du coup,
Il est temps maintenant ici, parce qu'on est presque là où il faut sur la température, mais on va rajouter un peu de vapeur d'eau. Donc ajouter du gaz à l'atmosphère, on va mettre 0.6. Non. Remarque ? Ouais, si, peut-être. Bon, on va commencer par 0.2. Déjà, ce sera pas mal. Ok, donc terraformation terminée. On a encore des bataillons construits ici. Donc les géosurveils, bataillons de garnison. Ah, c'est ça. Ok. Allez, on n'attend plus que la flotte de la drop pod. Ok, 25 bataillons encore. Ok, donc Research Facility terminé sur Sphinx. Donc on en a 100, ça y est, on en a 100. Si on regarde, il nous reste 21 000 de mercatium. On pourrait essayer d'en faire encore, quoi. Ça nous prend 12 100. Eh bien, on va finir ça, et puis après, je pense qu'on va transférer le reste sur Manticore. Ok, le reste de mine, de minerai. Sur Sphinx, c'est ce que je veux dire. Ok, donc c'est les bataillons de garnison. On a ce qu'il faut sur Manticore. On en a 4 pour celui-là maintenant. Ok, donc 2 régiments. Alors ils sont pas au complet parce qu'il leur manque. Leur batterie anti-missile. Ok, sur Zanzibar, à nouveau, plus de Borandium. On va remettre en pause, du coup on va attendre un peu juste. Il faut dire qu'on est qu'à 564 de production annuelle, c'est pas énorme. Ok, alors. La First Troop Drop Fleet vient de larguer normalement les troupes sur Grandals Bane A2. Donc si on regarde Grandals Bane A2, voilà, ils sont là. Alors. Je sais pas du tout ce qui va se passer, c'est la première fois que je vais avoir une bataille au sol. Normalement, tout est prêt. Notre truc... Attends, merde. Maintenant qu'on y est, peut-être que je dise à notre artillerie de se remettre en soutien maintenant qu'ils ont été changés de planète. Donc je savais pas qu'il fallait le refaire, ça, par exemple. Ah ! What ? Oh ! Laisse-moi deviner. Ça, c'est les Forward Fire Direction, je pense. Donc, si on demande un soutien, autant demander un soutien des Apollo. Donc, là, la Criti. L'Apollo. Ah non, ok, c'est. Non, ok. Attends. Ok, alors ça me. C'est pas très clair comment ça marche, ce truc. Le Cléopatra. C'est bien. Ça a l'air de marcher. Le Diomède. Non, merde. L'Effingham. Le Patrol. Le Pegasus. Le Scout. L'Arrowhead. Bon, on va mettre, commencer à mettre les destroyers du coup. Basilisque, le Blanche et le Léonidas. Donc là, normalement, les Ford Fire Direction sont assignés. Je pense pas avoir besoin d'autre chose, honnêtement. Je sais pas ce que ça fait, transfert alien. C'est quoi, Total Force Strength? Ouais. Ok, bon, on va... passer 5 secondes. Mais il se passe rien pour l'instant.
Si t'es en ruine ici, ok. Ah, ils sont. On est d'accord qu'ils sont censés y avoir des forces au sol d'après notre truc là. Non, ça c'est moi ça. C'est quoi ça déjà? Est-ce comparaison? Bien en hostile. Non, les technologies qu'ils ont. Ça y est. Je vais attendre un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oulala. Putain, oui. Il s'est passé des choses. Oula, oui. Putain. Oh là là. Non, mais. Oh, je crois qu'il y a eu toute la bataille de Granosben qui s'est faite d'un coup, là. Le 10 novembre à 19h35 et 25 secondes. Donc il y a eu un incrément de 1 jour au total, on dirait. Ouais, c'est bien ça. Donc, l'officier commandant du 2nd bataillon d'infanterie a été tué à cause de la destruction de Herman Power d'infanterie lieutenant. Force hostile estimée. Error range 100%. Estimated aussi fort. Unknown unit type 1163. On a récupéré des médailles dans tous les sens parce qu'on a détruit des forces hostiles. Problème de maintenance, on s'en fout. Donc le premier, alors les 4 bataillons de tanks ont réussi à faire un breakthrough et à presser leur attaque. Ok. Une médaille donnée pour destruction de 1000 tonnes de force hostile. Élément contre GUC. Alors deuxième bataillon d'infanterie, soldats. Attaque contre Centurion. 250 tirs, 5 hits. Armure pénétrée 5, détruit 5. Ok, pour 250 tirs. Ok. 108 tirs, 12 shots, armure pénétrée 2, détruit 0. Contre le décurion, c'est des mecs apparemment. Attaque report contre infanterie de resupply, 17 shots, d'accord. Praetorian combat mech, détruit 0, d'accord. Ici, nous avons pour l'infanterie machine gun, attaque les centurions, 288 tirs, 13 hits, 13 armures pénétrées, détruit 13. Bien, donc efficace contre les centurions. Contre les décurions, 72 tirs, 3 touches, 0 d'armure pénétrée, 0 détruit. Ok. Donc, light anti-véhicule. Nos anti-véhicules, est-ce qu'ils ont été... Ça, c'était les infanterie machine gun. Bon, qui ont fait un massacre de leur infanterie, on dirait. Contre leader praetorien, détruit 0. Ok, alors là, il y a eu... Point d'infanterie soldier. 11e bataillon. Qui a attaqué. D'accord, putain, c'est un bordel. 250 shots, détruit 11. Ok, putain. Voilà tout ce truc. Ok, première tank bataillon. Attaque report contre les centurions. 231 shots, 8 touchés, 8 pénétrés, détruit 8. 119 shots sur les décurions, 13 hits, armure pénétrée 2, détruit 0. Contre les combat mechs, 161 tirs. Putain, ils sont solides, hein. 12 hits, une armure pénétrée, détruit 1. Ok. Les autocanons, eux, ils ont fait des attaques contre les centurions, ils ont l'air d'avoir réussi à en détruire quelques-uns. D'accord. Voilà, le premier échange a été violent, quoi. Donc là, il y a eu pas mal... En fait, c'est moi où on a eu l'initiative, on dirait. Donc il y a tous ces trucs qui ont tiré dans tous les sens. Je suis désolé, c'est un énorme mur de texte. Mon Dieu, quoi. On voit un peu les bataillons de d'artillerie. Est-ce qu'ils ont shooté aussi? Parce que je vois surtout du power d'infanterie, light anti-véhicule et tout. Ok, alors, l'Alacrity a attaqué les centurions. Vous voyez avec le forward ship versus GUC. Donc, ils ont rien touché du tout.
Le prétérien qu'on va mettre, 16 tirs, un tir, un hit. Alors, je sais pas s'ils tirent avec leur point defense, du coup, honnêtement. Le Leonidas, 8 tirs, 0, 0, 0. D'accord, donc ça n'a pas été très efficace, ça. Ensuite, GUC versus GUC. Heavy Octocannon contre Centurion. 684 tirs, 26 touches, 26 armures pénétrées, détruit 26. Ok. Les Heavy Tanks. Je crois que c'est un summary, ouais. Là, on a le rapport d'éléments par élément. Là, on a le rapport par type d'unité, j'ai l'impression. Donc, ce qui a détruit le plus, a priori, c'est nos tanks lourds contre les Centurions. Après, on a réussi à détruire quelques Praetorian Combat Mech. Ok. Donc, attaque versus JUC Summary. Attaque Report versus Centurion. Au total, 8849 tirs. D'accord, donc c'est plutôt ça qu'il faudrait lire en fait. Et je pense qu'il y a certains, il faudrait juste les masquer quoi. Donc, c'est ça qu'il faudrait qu'on regarde. Donc, report d'attaque contre Centurion. 8849 tirs. 386 touches. Donc, ça fait 5% de chance de toucher, un truc dans le genre. C'est pas beaucoup. Par contre, en termes de pénétration d'armure et de destruction, c'est direct. 3000 tirs sur des décurions. 65 armures pénétrées, détruit 24. 662 tirs contre de l'infanterie de soutien. Donc là, on a détruit 40. Donc tout ce qu'on a détruit, on l'a touché. 4000 tirs contre des combats mechs. 26 détruits au total. Construction, véhicule de construction, tiens. On a détruit 10. On a détruit un leader praetorien. On n'a pas détruit de high leader praetorien. On a détruit 5 respect véhicules et il y avait de la Toei d'artillerie, 114 tirs, 7 shots, ok. Ensuite, orbital support, on n'a rien détruit avec le soutien orbital. C'est-à-dire que nos vaisseaux de combat, ils sont pas du tout designés pour faire du soutien orbital, je pense. Et là, on voit le détail par bataillon d'infanterie, en fait. Donc les bataillons d'artillerie, on voit ce qu'ils ont réussi à détruire. Donc effectivement, nos artilleries ont réussi à détruire un peu des centurions, des décurions, ce genre de trucs. Grande attaque sumarie, casualty infectise. Ok, donc là on a le résultat final. Donc 386 centurions, 40 resupply infanterie, 26 praetorian commandant, 5 resupply véhicules, 2 toilettes d'artillerie, 1 praetorian leader. On a découvert du coup plein de nouveaux trucs détectés. Désignation centurion, basic type c'est de l'infanterie, armure de 10, hit point 10. Alors on va juste enlever ça 2 secondes, on va comparer si on regarde chez nous. Notre infanterie, hein, genre power d'infanterie soldier, armure 22, HP 18. Donc nos soldats de base sont deux fois mieux que leur centurion. 6 shots, 12 de pénétration, 12 de dégâts. Alors nous, notre infanterie soldier, il fait un seul tir, pénétration 19, 15 de dégâts. Donc nous, on tire beaucoup moins. Si on regarde genre le machine gun, lui il est à 6... Ah ok, donc on dirait qu'ils sont équipés de machine gun en fait. 6 tirs, pénétration 15-15. Donc ouais, on a une meilleure pénétration, meilleur dégâts qu'eux. On est à 15-15, ils sont à 12-12. Donc ça c'est bien. Combat mec, c'est armement médium, véhicule médium plutôt. Armure 40-40. Donc est-ce que ce serait comparable à nos tanks lourds? Non. Par contre ils ont ici à nouveau un véhicule médium pour le décurion AA. Donc ça c'est de l'anti-air. Construction véhicule, resupply infantry, ok, ça on s'en fout, Praetorian leader, ouais, une attaque 48-48 quand même, il fait mal le leader. Toa d'artillerie, 48 de dégâts aussi, et le high leader, une attaque 48-48. Ouais, ils font mal les mecs. Là notre heavy tank commander, il fait 6 attaques 15-15, c'est du anti-personnel, c'est pour ça. Nos heavy tanks ils font 6 attaques 15-15, nos heavy autocannons 6 attaques 15-15. Ah mais non, attends, je confonds. On a 3 45-30 et 6 15-15. Et on a 1 60-60, nous. C'est ça. Donc 1 48-48, ça ressemble un peu à du tank. Et eux, ils font du 1 24-48. Donc. Je sais pas trop ce qu'ils ont, ce que c'est exactement leurs armes. On a pris. Alors, par contre, on a pris derrière. Donc, grande défense submarine. On a souffert 39 soldats morts. 38 infanterie machine gun, 25 power d'infanterie light anti-véhicule, ok, et 4 infanterie lieutenant. Et 1 RMA forward fire direction qui est mort. On m'a déjà. Ok, donc estimated hostile force, 2136 centurions, 71 combat mech,
34 entières d'écurion, 8 constructions véhicules, 146 resupply infantry, 6 leaders, 32 towed artillerie, 2 high leaders, donc ça doit être leur équivalent quoi de régiment ça. Bah, le Praetorian Leader doit être le niveau bataillon. Donc il y a 6 bataillons qui sont dans 2 régiments, je pense. Et 16 unités inconnues. Pas mal de médailles données pour avoir détruit quelques tonnes d'unités hostiles. Encore des breakthroughs qui ont été atteints par nos tanks. Et donc du coup, deuxième phase de combat dans la foulée. Donc là, c'est juste les éléments qui s'attaquent. Donc je vais juste aller directement au sous-marin. Donc là, on a détruit 373 centurions, 15 resupply infanterie, 25 combat mech, 16 AA mech. Ok. Donc grande attaque sous-marine. Ok. Donc on a détecté... Ah, ça c'est les STO, STO Point Defense. Ok, donc ça c'est leurs armements surface to orbit. Véhicule léger, d'accord. Ground Defense Summary, on a perdu 86 soldats encore, ok. Donc surtout quelques éléments dans nos bataillons de base. 3 lieutenants aussi d'ailleurs. Et du coup, il en resterait 1202. Alors attends, si je remonte au niveau d'avant... Ils étaient marqués à 1202, ils étaient à combien tout à l'heure? 2136. Ouais, donc apparemment, on leur a pété la moitié entre ces deux échanges. Alors, breakthrough. Alors, même nos bataillons d'infanterie réussissent à des breakthroughs, apparemment, alors qu'ils sont normalement seulement en défense. Ok, et donc là, encore une attaque. Mais le truc, c'est que tout ça, ça se passe dans le même tick, en fait. C'est que j'ai fait un tick de un jour, et du coup, ça a calculé toute la bataille en un coup, je pense. Donc, grande attaque Sumari. On a infligé 378, ok. On a trouvé du statique, Toven anti-artillerie, d'accord. Et grande défense, on a terminé, on a perdu encore une centaine d'hommes à peu près. D'accord. On a perdu un peu de morale, mais notre morale est très élevée. Alors, le Forward Fire Direction a été entièrement détruit. D'accord. Donc, si on revient vite fait à notre Order of Battle, et si on regarde le premier bataillon d'infanterie. Alors. Je pige pas trop, j'ai des gens qui sont... Ah ouais, regardez, là on est à 500, là on a plus que 437. Là on a plus que 407, 414, donc on a eu un peu des morts dans certains trucs. Plus certains qui ont plus de lieutenants en fait, carrément. Et nos tanks, ils ont perdu mon tank un peu? Non, rien perdu. Rien perdu, rien perdu, rien perdu a priori. Ok, alors on va laisser passer, je sais pas moi, heure par heure peut-être. Ils ont encore 5000 tonnes de force au sol. Ok, donc du coup à nouveau. Donc je sais pas si c'était tous les combien d'heures en fait au final. Un gros baston à nouveau. Ouais, donc 11 novembre, 1h35 c'était ça. Ouais, 1h35. Ok, donc il en reste pas énormément. On a fait plein de breakthroughs. À tous les éléments qui s'affrontent. Ça devrait franchement avoir la possibilité de les masquer. Ouf, 10 000 tirs contre les centurions au total. 455 détruits. 5 000 tirs contre les resupply. Ouais, le combat mec, 37 détruits. 54, ok. Mon attaque sous-marée, casualité infligée. 455 centurions, 108 resupply, 54, ok. Et grande défense. On a perdu 16 soldats, 5 machine guns, 4 anti-véhicules, 1 lieutenant et une forward fire direction à nouveau. Ok. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Boum, c'est bien ce que je pensais. C'est toutes les 8 heures.
qui est calculé une bataille au sol. Eh bien, donc du coup, si on termine... Ouais. Je pense qu'on a fini tout, en fait. On a même regagné du moral, d'après ce qui a marqué après, là. Et on a détruit 526 resupply véhicules et 31 Praetorian Leader. Donc je pense que c'est tout ce qui leur restait dans cette dernière phase. Ouais, 6 matières de Steel Fort, 2 Praetorian Leader et 21 resupply véhicules. On avait l'autre... Ouais, voilà, c'est ça. Donc normalement, on a gagné. Non, il en reste encore 608 000 tonnes. Attends, on va faire un 8 heures direct. Voilà, Enemy Force sur Grand Osmena 2 ont été défaites et la colonie ennemie est occupée. Nice. Première victoire. Viens voir. Où est-ce qu'elle est ? Grand Osmena 2. Pourquoi j'ai deux trucs ? Ah, conquise. Attends, si je fais Delete Pop ici. Donc, statut politique conquis. Ok. Il y a une Deep Space Tracking Station et une Refueling Station apparemment. Il y a ces anti-ship missiles. Et anti-missile missile. La question c'est, ils valent quoi ces Amina anti-ship missile? Est-ce que je peux les comparer? Parce qu'ils doivent être à moi maintenant du coup. Je les vois pas là. On va mettre un gouverneur. Voilà. Et après on a tous ces anciens constructs aussi qu'il faudrait qu'on déplace du coup. Donc il y a un truc en Energy Weapon qui nous donnerait un bonus de 30% à la recherche d'armes à énergie ici. Donc on pourrait déplacer des équipements pour avoir tous ces trucs là. Unknown Race, Xéno-archéologie. Je suis... Voyons voir. On a bien une suitabilité à 0, donc elle est entièrement habitable. Donc on peut... Destination de colon, oui. On peut peut-être lui demander... Alors le problème, c'est qu'on ne sait... Si on sait ce qu'il y a... Oh putain, il y a plein de ressources. Donc ça, c'est bien. Il n'y a pas de corondium, par contre. Ça, c'est vraiment dommage. On peut lui demander... On peut lui demander des mines. On peut demander 1000 mines. On va demander aussi les constructions factory. On a une refueling station uniquement. Je voudrais une cargo shuttle station. Et ordnance transfer station. Et après... Il faut vraiment qu'on s'occupe de ça. Bon là c'est un petit peu bugué par contre, mais ça c'est pas trop grave. Il faut qu'on envoie une xéno-archéologie team ici. Et il y a aussi un potentiel de grande surveille. Après, aussi, ce que j'avais eu un commentaire intéressant qui disait il y a 80% de hydrographique extinct. Donc est-ce que ça serait pas intéressant peut-être de la terraformer un peu pour réduire ça en fait? Ça pourrait être sympa. Le truc c'est qu'actuellement il y a quand même une capacité de population de 7 milliards quasiment, donc c'est déjà pas dégueulasse. Elle est aussi grande que la Terre en fait, presque. Ouais, elle est un peu plus grande que la Terre même, je crois. Non, un poil plus petite, pardon. Un peu plus petite que la Terre. Ok, donc ben voilà, c'était notre première bataille terrestre. C'est bien passé au final. La grande question qui va se poser pour moi là, c'est oh, attends, on va faire passer 5 jours. C'est bien considéré encore comme une colonie à moi ou pas? Je vais recliquer sur Create Colony au cas où.
Est-ce qu'il y a de la pop alien? C'est ça la question que je me pose. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va... Control Rest, Star Kingdom of Manticore, s'il vous plaît. Hein? Maintenant, ça y est. Et MISC, Military Restricted System, plus maintenant. Voilà. Ils ont pris le contrôle de Grendelsbane au précurseur. C'est trop bien. Trop content, franchement. Ouais, la question qui se pose, c'est comment on fait pour remettre nos... Je crois que j'ai perdu ma division quand j'ai fait delete un truc. Je crois que j'ai fait un bug. J'ai fait un bug. Je viens de détruire ma division. Quel gros idiot! C'est pas grave. Bah si, ça fait chier d'avoir perdu la division, parce que les mecs, quand même, ils avaient vaincu, quoi, tu vois. Bon, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas dramatique. J'ai pas de sauvegarde de toute façon récente. Mais ouais, du coup, ici, il plante parce qu'il comprend pas trop. Il est censé y avoir des divisions, mais en fait, elles sont pas là parce que j'ai détruit le truc. Alors, je pourrais peut-être aller voir dans la base de données du jeu pour voir si je peux pas corriger ça. Dans le pire des cas. Mais pour l'instant, je vais éviter d'y retoucher, ce serait dommage. On va juste demander à la 7ème Podfleet d'aller sur Manticore, de charger la Xénoarchéologie et la Géosurveille Unit autour de Bay System jusqu'à Grendelsbane. Et tu me unload all ground unit from transport bay. Ouais, je pense que j'ai détruit la division. Ouais, parce qu'en fait, c'est le jeu, si tu voulais, il considère la colonie comme étant la colonie qui appartient aux aliens. C'est pour ça qu'on a, je pense, le Unknown Race. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas la même chose sur Sphinx. Non, il me dit pas le même truc sur Sphinx. Pourtant, sur Sphinx, il est censé y avoir une autre race aussi. Qui est là. Attends, il n'y a plus de Corbomine sur Médusa. Ouais. Ah ok, il faut juste mettre en pause du coup. Oh, ok. Alors il y a un truc important qui s'est passé, c'est le statut politique de la pop de Grendelsbane 2 est passé à occupé. Parce qu'en fait, elle a été conquise, maintenant elle est occupée. Donc si on regarde, Grendelsbane 2 est toujours là et on est à Occupied. Alors il faudra que je relise la doc exacte de ce truc là pour pouvoir vous dire pourquoi ça fait ça. Parce que je sais qu'il y a plusieurs levels et mais bon, pour l'instant il me dit que bon, on a zéro travailleur, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'humain sur place. Donc pour l'instant, d'ailleurs je suis assez curieux de si on essaye de... Alors si je les scrape, je pense que je vais pas avoir grand chose en fait. J'aimerais bien pouvoir les désassembler, mais j'ai pas l'impression que je puisse les désassembler, donc c'est ce qui est un peu dommage là. Ah oui, pardon, j'avais les laboratoires de recherche sur Sphinx qui avaient fini. Ok, donc on en a un paquet. Donc tu étais toujours en construction et production ici, toi. Research rate, on est déjà en train de le rechercher, oui. On a 28 labos disponibles. Toi, tu vas rechercher le prochain niveau de production de fuel, tant qu'à faire. Septième pot de flûte à terminer. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que dans le pire des cas, on va balancer deux divisions cette fois-ci. 1-2. On avait dit que des régiments, il nous en fallait 4 par division. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il nous faut 12. Alors, ouais, bataillon d'infanterie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
bataillons de tank et 8 bataillons d'artillerie. 7, 8. Voilà, et ça devrait être bon. Ok. Ok, donc là, on a bien nos trucs Xeno qui sont arrivés. Donc ils devaient être en train normalement de commencer à analyser. Ensuite, on a débloqué Beamfire Control Range. Ça, c'est bien. Donc on a 125 000 pour le prochain level. C'est un peu loin. On va plutôt aller vers... Alors, ouais. Oh putain, mais IM Sensor, je suis à 32. Là, je suis encore à 18 sur le thermique. Oui, oui, attends. Il faut recharger ça, dis donc. Je suis à la bourre. Ok, donc ça, c'est bon. Et donc, normalement, sur Grendelsbane à 2, je devrais avoir voilà, des grandes unités. Donc, j'ai bien mon Géo et Xeno, mais du coup, ma division a juste disparu quand j'ai fait Delete Pop, en fait. Donc, ne faites pas Delete Pop quand vous avez des choses, parce que ça littéralement supprime tout ce qu'il y a sur la planète, en fait. C'est ballot. J'ai honte. Mais c'est comme ça. Tu m'en fais un nouveau 10. Encore. 20%. Ok, donc les mines, on a pas mal de mines automatisées ici. Normalement, elles devraient. Alors après, j'ai pas encore fait de transfert d'ailleurs, mais on peut demander effectivement ici une centaine de mines automatiques de plus. Et ici aussi. Et ici aussi. Et puis ce sera déjà pas mal. Parce qu'il y en a, ouais, y a encore du minage à faire par ici. Cherche terminé Rive, ok, Jungle Warfare Capability, ça c'est bien. Donc du coup, si on regarde un peu sur ici, donc du coup ça donne quoi? On est en train de les... Normalement on est en train de les analyser là, vu qu'on a les trucs qui sont posés. Et du coup... je crois aussi qu'il faut des trucs de construction aussi, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Ce que je vais faire, je vais faire un break parce que là je suis crevé, ça fait des heures que j'enregistre d'affilée. Donc je vais faire un petit break. On continuera au prochain épisode. Donc désolé pour le blunder avec la pauvre première division d'infanterie qui aura disparu dans les limbes. C'est dommage, c'est triste, mais des choses qui arrivent. Donc ne faites pas la même bêtise, s'il vous plaît. Surtout. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous.